Bonjour YouTube, bienvenue sur une nouvelle session sur The Witness, le jeu d'énigmes un petit peu obscur où le jeu ne t'explique rien. Tu explores une île, tu as de temps en temps des panneaux et tu dois comprendre. La dernière fois on avait vaqué à nos occupations, on avait trouvé quelques coins sympas, mais le problème c'est qu'il me manque pas mal de tutos pour comprendre certains éléments d'énigmes. Il n'y a pas de panneau. Le jeu gros de chéro, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, Britanouille, qui est ici même dans le chat, m'avait proposé de m'emmener, de me dire où étaient les zones tuto. Comme ça, au moins, on perd pas trop de temps à chercher où est l'explication. Parce que là, tu vois, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Donc, d'après vous, où est le prochain coin intéressant? On avait fait les arbres, on a fait le truc avec la symétrie. On avait vu un endroit avec un espèce de temple en ruine. Sympa Pompéi, ouais. On a fait la ruche moustache, la russe moustache. C'est pas ça. C'est pas ça. La cruche moustache. Non mais elles sont où les ruines? Ça je peux pas le faire maintenant. C'était au bord de l'eau, il y avait... Le château on l'avait commencé mais pareil il nous manque un tuto pour comprendre ce qu'il faut faire après. Ça, on n'a pas essayé. Britannouille est en train de nous écrire un pavé. On avait séparé les noirs des blancs la dernière fois et fait de la symétrie avec le jaune qui disparaît. Oui. Des ruines, il y en a un peu partout. Non, mais il y avait des ruines dans un désert. En fait, j'arrive même pas à retrouver le désert. Attends, c'était près du laser. Plusieurs choix. Dans la symétrie, il y a des panneaux restants, sinon le château à côté du côté jardin, ou bien encore tenter la forêt automnale. C'est ici la forêt automnale? C'est peut-être vraiment ce truc-là, en fait. On va voir si j'essaye de faire un truc là-dedans. Ah, je peux pas passer dans les barrières. Les barrières en premier plan m'empêchent de faire le puzzle derrière. Attends. Si je fais ça. Oui, bah ça m'empêche pas de pas y arriver. Petit coup de pied dans la porte. Oui, mais bon, je vois pas ce que je fais là-haut. Est-ce que je dessine un truc en haut? Souviens-toi de comment tu avais ouvert la grande grille blanche au début. La grande grille blanche, il fallait peut-être suivre des fils. Effectivement. Bon, ok, ok. On met stop au backseat, hein, je rappelle. Là, faut juste que je me remette dedans. Mais voilà. Ok, faut que j'observe moi-même. J'ai évidemment pris le pire chemin. Donc ça va là-dessus. J'imagine que ça va sur lui là, ouais. Tout ça, c'est lié là?
Mais il y en a 10 000. Une porte. Oh non! Pas ça. In a sense, what modern physics is to the history of Western thought, Zen is to the development of the Eastern worldview. The ultimate refinement of more than 2,000 years of incisive debate, discussion, and critical development. Yet the difference between the two could hardly be more marked. Whereas physics is interested above all in theories, concepts, and formulas. Zen values only the concrete and the simple. Zen wants facts, not in the Western sense of things that are measurable and numerical, which are in fact abstractions, but as living, immediate, and tangible. Its approach to understanding is not to theorize, because it recognizes that previously accumulated ideas and knowledge, in other words, memories of all kinds, block the direct perception of reality. Ah. Therefore, Zen adopts an unusual approach. Its buildup involves language, which is unavoidable. Any method, even if it turns out to be an anti-method, has first to convey some background in order to be effective. But the way Zen uses language is always to point beyond language, beyond concepts, to the concrete. David Darling, 1996. Par où vous passez, mon Dieu? Ça veut dire porte en italien. Ça casse les pieds, là, on est tout le temps bloqué. Give me the chemin, là, arrête de te... de me saouler. On est peut-être pas dans la forêt automnale, là. J'arrive pas à remonter, c'était où? Je me suis peut-être barré trop loin. Une réponse à cette question. Est-ce que nous sommes dans la forêt automnale? Enfin, c'est pas franchement la question. Ça, c'est la forêt automnale déjà, de base. Pourtant, ça a l'air lié, on peut voir comme ça. Là. T'es pas bloqué, en tout cas. Vous êtes au bon endroit. Ce panneau est bien le début du câble recherché. Donc faut vraiment que je commence sur celui-là, là. Je pensais que c'était la même chose que... que là. Enfin, attendez, on va voir, on va y retourner, de toute façon. J'aurais dû tester. Ah, ça reste le début du câble, d'accord, oui. J'avais pas compris ça. Mais casse-toi! Merde.
pensais que ça allait se fermer beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que c'est ça? Juste comme ça ou pas? Oui, on continue avec juste les branches. Plus Jeff. Oh attends, qu'est-ce qu'on voit là? Il y a que l'espèce de rond qui est la vraie branche, je crois. J'ai envie de faire ça. C'est bon. Y a pas intérêt à faire la nuit, sinon c'est foutu, ouais. De toute façon, même quand le soleil bouge, c'est touffu. Cette chose a un nom. Pas sûr de comprendre. Ah mais ça bloque avec la plaque-plaque là. Ah d'accord. Faut vraiment se mettre comme ça. Et juste faire ça. Ok. C'est où la fin? C'est en haut à gauche. Merci Ario. Je sais pas comment dire ton pseudo, parce qu'il y a plein de lettres. RGX, Ario. Nos sièges arrière. Bah, en fait, j'arrive pas bien à comprendre ce que j'ai regardé ou non, là. Ouais, enfin, l'ombre montre le chemin. Je crois qu'elle fait ça. Oui. Prononce-le comme tu veux. Oh bah t'as peut-être une préférence. J'arrive pas à réfléchir déjà. C'est pas ça. Ça commence forcément comme ça. Puis ça fait... voilà, ça fait... Ça fait ça. Comme ça. Non.
Il y en a quand même 10 000, hein, des panneaux. FK qui pré-shot. Le bout de chemin, il est là, tu vois, c'est comme ça. Ça veut dire que je fais... haut gauche, haut droite. Mais à partir de là... donc je fais comme ça... comme ça, comme ça, haut, gauche, haut, droite, et puis pouf, pouf. Pourquoi il y a deux points de départ? Le bon chemin, c'est ça. C'est deux à gauche. Bas, gauche, bas, 2 à gauche, bas, droite, bas, 2 à droite, haut, droite. Donc si je pars de là, je fais déjà ce qui est sur le panneau. 1, 2, haut, gauche, haut, une à droite. Deux à droite. Haut. Droite. Haut. Gauche. Gauche. Ah, je sais pas s'il y a deux. Haut. En gros, c'est un petit peu décalé. Je pars du point là. Là, ça fait gauche, bas, gauche. Et en fait, la suite du chemin, elle est là. Est-ce que ça, le petit bout là, plus le petit bout là, c'est un de plus à gauche, haut, gauche, haut. Et là, le problème, c'est que ça rattrape là, droite. Mais combien, quoi? Un ou deux? Haut. Droite, haut, gauche. Et il y a encore gauche. Je vais faire ça. Haut, droite. Yes! Success! Break the target! Ouais, c'est très simple, tu vois, tu fais ça, 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 ça. Et tout simplement... voilà.
Bas, gauche, bas, droite, haut, droite, haut. Bas, gauche, bas, droite, haut, droite, haut. Bas. Oh, ça commence mal. Bas, gauche, bas, droite, haut, droite, haut. Pourquoi ça marche pas là, à gauche? Ou peut-être qu'il faut pas. Bas. Gauche. Bas. Droite. Salut Sora. Relou le jeu là. Qu'est-ce que je fasse? Hello Drakane. J'ai déjà fait ça. Bon, je l'ai pas là. C'est simple. Ah ouais, bon, c'est simple, ça va alors. Merci, Crafture. Peut-être qu'il y a autre chose à voir et que j'ai pourvu. Ah ouais, j'y suis presque, mais est-ce que c'est parce que j'ai mal compris le chemin sur l'arbre? Ouais, c'est ça.
Et le jeu se passe bien? Ça va, Danaël, merci à toi, ça va. Dire ça va à droite, ça va en bas, ça va à gauche, ça va en bas. Deux fois en bas, une fois en bas. Deux fois à droite. Deux fois en bas. Moi je vois gauche, bas, droite, haut. Droite, haut. Je vois pas autre chose. Ah bah. Donc bah j'ai dû faire un truc que j'ai cru avoir déjà fait. D'accord, hein, bon. Ouais, mais je sais pas, j'étais persuadé d'avoir déjà testé, donc c'est pour ça que je refaisais pas. Ça arrive fréquemment, ça, dans les jeux d'énigmes, tu t'es persuadé d'avoir fait un truc, du coup, bah tu le refais pas, c'est pas ça. Mais en fait, tu l'avais pas fait. Même pas besoin de regarder le chemin. Quel connard qui a mis un coup de pied dans le panneau, mais bien sûr. Je vais te poser une question au chat, mais j'ai pas envie de spoil qui connaît le jeu. Je demande en MP. Je suis pas sûr de faire le bon chemin. Non, c'est pas ça. Attends, quoi? Pas là parce que ça monte de 1 et ça redescend encore, alors à moins qu'il faut monter 2 ici.
Est-ce que tu fais ça direct? Ouvre l'autre porte. Ah, faut faire dans l'ombre cette fois? Pas du tout. Petite dynamite dans la porte là. Poète, poète, poète. Wow. C'est plus que c'était les parcours d'activité dans la forêt. Ah. Là, il fait trop chaud pour faire des parcours comme ça, là. Tu sais, toi, t'es là, calme, en train de te promener. T'as déjà chaud, t'as ton sac à dos, tu transpires du dos, là. Et t'as un mec qui arrive. Connard. Non, il est courageux, voilà, voilà, putain. Faudrait faire comme lui, il se saoule. C'est cassé! Il est courageux, mais on le déteste. Ah. La branche, elle est cassée! Bah c'est pété, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais pété du scotch. J'ai un bouton de moustique là. Je me gratte. J'ai fait Jésus. Merde. Non, je l'ai jamais vu. Holy Mantle, ouais.
J'ai jamais vu Jésus. Et puis alors que je le croise pas, parce que alors... Que des rumeurs. Les rumeurs devint un mythe. Il abandonna Jésus. Bref. Le jus de Jésus, bien sûr. Jus de fruits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est cassé. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? C'est assez! Vous avez remarqué d'où ça venait là? Enfin, la ref, la rumeur devint un mythe et tout ça là? Ou y a que moi qui... Bonjour Brome. Mythe devint légende, j'ai pas. Pas la ref. Je sais pas de quoi tu parles, mais si vous savez, c'est juste que j'ai pas... Je l'ai pas bien fait. Faites mieux. Faites mieux. Ça va, Mélenchon, là? Je sors du leurre pour dire Seigneur des Anneaux. Merci Woodilgore, merci, c'était ça, effectivement. C'est dans l'intro du Seigneur des Anneaux, du premier film. La rumeur devint un mythe, machin, là. Plus personne n'entendit parler de Jésus. J'ai jamais vu honte sur moi. Oh, n'ayez pas honte de pas avoir vu un film. Hein. Ce n'est pas grave, j'y pensais parce qu'il va y avoir la série bientôt sur Prime Video, je crois. Sinon, je croulerais sur la honte. Ah non, non, bon, il y a plein de films que j'ai pas vus. On s'en fout, hein, c'est pas grave. Mais du scotch, ben, j'aimerais bien. Ah, c'est vrai que je vais regarder de façon légale. Mais vous n'avez pas Prime Video, AFK ? Vous n'avez pas Twitch Prime? Avec votre abonnement Prime, vous avez Prime Video. Vous avez d'ailleurs un abonnement Prime gratuit à donner à votre streamer ou streameuse préférée. Ouvrez vos chakras. De quelle série parle-t-on? La série sur le Seigneur des Anneaux qui va sortir sur Prime Video. AFK se fait payer ses subs par Chrisou. J'ai pas regardé les trailers là maintenant. Idem pour la série Game of Thrones machin là. J'ai rien regardé. Et puis d'ailleurs cette série je la regarderai quand tout sera sorti. Hein. J'arrive plus à réfléchir. Attendez. Pourquoi c'est cassé? Et donc... Regarde, le chemin, il est là, on le voit bien, non? Ou alors, faut descendre tout de suite? Parce que c'est cassé? Oui, mais j'ai essayé de faire ça.
J'ai pas fait ça. Bah si, c'était Jésus. Regarde, Jésus, ça marche pas. Poète, 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 poète. Moi, je vois que les Jésus allongés, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a une petite voiture. Qu'est-ce qu'il y a, là? Je me suis pris la tôle. Peut-être plus bas, mais je comprends pas le délire. Savez-vous que les tôles ont du lait? Le jeu, c'est Star Wars. Faut passer le côté obscur. Bah tu vois Star Wars, ah si je les ai vus en vrai, donc c'est pas, ça marche pas. Je les ai vus mais j'arrive pas à comprendre Star Wars. Donc voilà. Bon, du coup, ça n'a aucun sens ce que je viens de vous dire, c'est pas grave. Tu dirais plus haut? Plus haut. Pas de gros cerveau mais une grosse baleine en diamant ici, brioche touille, brioche touille. Pas de gros cerveau, hein. C'est vrai qu'elle sait pas lire gros cerveau, hein, gros cerveau. Merci Lid, merci beaucoup. Pour cette année de sub, l'année. L'année. Mais non, mais comment tu veux? Tu regardes de l'arbre, j'ai l'impression que la petite branche du haut touche la branche cassée du bas. Ouais, mais ça dépend comment tu regardes. Tu vois, si tu fais ça... Ça, je veux dire, si je regarde autrement... C'est l'arbre qui fait encore des trucs comme ça. Rappelle-toi la règle de base de cette zone. La règle de base de cette zone, c'était de passer dans la lumière. Mais là... Pas très possible. La règle de base des 3-4 panneaux d'avant, bah c'était de passer dans l'ombre. Enfin, moi je suivais l'ombre depuis tout à l'heure, là. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, ça. Toi, tu vois un chemin d'ombre. Oh non!
C'est très grave, ça. C'est très, très grave. Non! Jésus n'a pas aidé. Rude. Très bien. Laser activated. Numéro 2. Il y en a combien en tout des lasers? Le vidéo proche. Retour aéré sans but. Jusqu'à un tuto. No spoil. Ah, apparemment faut pas le dire. Environ beaucoup. Allume Gérard! Marie-Cécile? Tout de même. Très bien. C'était donc la forêt automnale. C'était intéressant. J'ai apprécié. Ça projette l'exposé de la petite Louise sur l'Empire romain dans 4e. Un caillou! Mes mortels ennemis. Alors, que Britannouille nous avait dit? Cette phrase n'est pas correcte. Mais il y avait la forêt automnale, il y avait autre chose. T'as la ref, Lindo? Incroyable. Château à côté. Château côté jardin et la symétrie. La symétrie, c'était pas terminé, c'est ça? Moi, je pensais que château côté jardin, c'était... c'était lié au reste, donc j'ai pas osé y aller. Le désert, on y est pas, on l'a pas fait, non. J'ai l'impression d'avoir la ref, mais je sais pas... Impossible de savoir d'où. Alors, ma ref, c'est... Ma ref, la bonne fée. Tu sais plus. C'est pas les... Mais j'ai envie de dire... J'ai pas envie de dire... Les chevaliers du Zodiac. Le cavalier du Zodiac. Je sais plus comment on dit, en fait. C'est pour ça que j'ai bugué dans ma tête. En parodie, oui. Une parodie. Ça, c'est le désert, mais on m'a pas indiqué ça particulièrement. Mais je crois qu'on peut le faire assez tôt. Mais le truc de la symétrie, c'était là. Et pourtant, le laser, il est fait. Chevalier du Zodiac abrégé. Voilà. Après, tu vas bien où tu veux. Non, mais d'accord, d'accord, d'accord. C'est juste que si on va sur les trucs absolument pas faits... Regarde, la symétrie. Quand tu me parles de symétrie, j'ai envie de revenir ici. Mais là, le laser, il est fait. Est-ce que j'ai raté un truc ici? Il manque un truc ici? Grosse machine. Fouille un peu pour faire le portail rouge. Qu'est-ce que j'ai raté, bon Dieu?
plus. Oh non! C'est à cause de... C'est ça que vous voulez me faire prendre? One nature, perfect and pervading, circulates in all natures. One reality, all comprehensive, contains within itself all realities. The one moon reflects itself wherever there is a sheet of water, and all the moons and the waters are embraced within the one moon. The absolute of all the Buddhas enters into my own being, and my own being is found in union with theirs. The inner light is beyond praise and blame. Like space, it knows no boundaries. Yet it is even here, within us, ever retaining its serenity and fullness. It is only when you hunt for it that you lose it. You cannot take hold of it, but equally you cannot get rid of it. And while you can do neither, it goes on its own way. You remain silent and it speaks. You speak. Ouh, les petits coussins. The great gate of charity is wide open, with no obstacles before it. Yang Cha Tashi, circa 700. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait ça? Les rochers dans l'eau et leurs reflets. C'est bizarre que ce soit pas lié avec le reste, ça. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est encore que Sextrisuxus? Pourquoi il est tout seul, lui? C'est vraiment ceux là-bas? Attends. Tac. 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 Oups.
Yves Rocher. Mon raisonnement là, bah j'en ai pas. Là tout de suite, j'en ai pas. Là, j'ai juste pris les rochers qui étaient au loin. Ça me paraissait bizarre, mais c'est ceux-là que j'ai pris. Là, comme ça. Là, on voit bien le chemin. Et peut-être qu'il faut simplement, voilà, encore une fois, trouver l'angle. Après c'est symétrique donc tu peux pas t'amuser à... Ouais, d'accord. Fallait pas traverser les rochers quoi qu'il arrive. And now, the last but not least, a rocher. C'est moi qui vois des trucs partout ou Attends. On a utilisé ceux-là. Peut-être pas les réutiliser. Tu vois des trucs partout au bout d'un moment, ouais. Là, je vois plein de crottes de chiens. Voilà ce que je vois. Crafture. Regarde. C'était vraiment les arbres ? C'est facile votre jeu en fait. Et ensuite, vous avez gagné rien. Mais vous avez appris. J'ai appris là ? Je savais déjà moi la symétrie. Hein. C'est comme sur les ailes des papillons. Ok, ok. Le savoir est une récompense en soi. Mais si la soie, ça sert à faire des vêtements. Ce qui n'est pas forcément maintenant. Pas la symétrie où il faut regarder le décor. Ah, pas la symétrie où il faut regarder le décor, d'accord. Bon, et j'accepte, j'accepte. J'accepte votre remarque. J'ai appris à faire des trucs symétriques entre les crottes de chiens qui flottent à la verticale sur l'eau. Ce que je ne savais pas avant.
C'est vrai. Ensuite, Britannouille nous a proposé le jardin du château. Bien que ce truc-là m'intrigue beaucoup. Le désert te chauffe, go le désert. Ah, si c'est possible sans avoir les tutos, les machins. Alors, go désert. Il est très joli cet arbre, hein. Il est à 99% mort. Bref. Il est suspect. Mais ça, je sais pas faire, tu vois. On voit des traces. Oui, c'est un cube. Le soleil et la mer. L'amertume encore. Le problème c'est que là tu peux pas voir. Oh, qu'est-ce que... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Rayures sur la boîte à musique. J'ai déjà oublié le chemin que je viens de voir. C'est bon. J'avais pas oublié, j'ai fait exprès. J'ai fait semblant de dire que j'étais mort. Sortez le téléphone, ouais, pour utiliser la lampe torche. Alors là, je vois rien. En bas, je sais pas ce qu'il veut encore.
Là, il y a les trucs comme la première barrière blanche. Je sais même pas ce que j'allume là, le truc du milieu. Ah! Oh oui, mais écoutez, est-ce que c'est juste... Est-ce que c'est juste ça? Pas du tout. Le budget ray tracing. Bonjour Serfort, je suis sur PC. Je sais même pas si le jeu est dispo ailleurs. C'est sur Steam que je l'ai. Ah, t'as des visuels? Tempête argentée, c'est la prochaine extension Tempête argentée ou c'est dans très longtemps? Je crois qu'il est partout maintenant. Tu dois pas être mal sur Switch, non? Si ça existe. Tu fais avec le doigt les tracés. Novembre, ok. Tu fais des figures au hasard ou elles sont réfléchies? Non, non, mais c'est réfléchi. Il faut regarder le tracé là, à la lumière. Look. Bon, c'est très lent. Regarde. Tu vois qu'il y a des traces. En bas, là. Ça va à une vitesse effrayante. Et après, voilà. Ah, j'ai cassé l'écran. Allô? Mais où est-ce que je vois le reflet, là? Vu!
Wow! Ah, ah. Mickey. Là, ça monte. On voit au milieu que ça fait ça, ça, là. Donc ça veut dire que ça fait là-haut. Là, là, là. Ou là, là, direct. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Soit ça. Soit ça. Mais regarde. Ah mais c'est le point de départ là. D'accord. Bon, ça fait un truc là à gauche. Là, on a le point de départ. Donc ça veut dire que ça fait ça, 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 ça. Non. Ça, 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 ça. Yes. Et là, je ne vois pas les reflets. Peut-être sans rien. On pouvait aussi éteindre. Ok, on voit un tout petit bout là, ça fait un L. Là, il y a la fin. Ça se termine en bas. Ah bah, de toute façon, on la voyait à la fin, je vais te dire. Il n'avait pas 36. Et là, j'arrive pas à voir. Ok. Donc si ça fait ça, mais que là il y a un L, ça doit faire ça, 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 non? À moins que ça vienne jusque là. Yes. Michel? Michel, les escaliers font un bruit métallique alors que c'est en pierre. Michel, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est pas fini. Ok.
Qu'est-ce que c'est ça? Absolument rien. Arrête! Ouais, le truc à l'envers là, merci, hein. Putain, c'est quoi cette dalle en plein milieu là? Bon, ça commence. Arrête de me remettre bien là. Ça commence ici. Ça commence avec toi. Let's do a camembert. Why? Why do you want a camembert? Do you know Concoyot? Bon, le début, c'est ça. Tac, tac. Après, il faut descendre. Concoyot. Attends, je me mets bien là. Ouf. Je crois qu'il faut faire toute la... Ah non. Une fois que t'es en haut... Eh bien... Oh mais arrête! Va là où je te dis, merci. Pierre s'en va! Pardon. Tout événement est une fête. S'il y a des votes, regardez le voisin de gauche. Hein. J'ai tout entendu. Oui. C'est la fête. C'est la fête. Service garanti APEC. Bon là on a le chemin, tu vois, tu pars d'en haut, et puis tu vas à gauche, puis en bas, puis à droite. Tu pars d'en haut, tu vas à gauche, puis tu vas en bas et à droite. Après tu remontes, et tu vas à droite, et tu te démerdes. Donc tu démarres en haut, qu'est-ce que j'ai dit? Ben j'ai déjà oublié.
Tu vas à gauche. Puis en bas, puis à droite. En haut. En haut. Il veut pas y aller là. Michel! C'est bientôt fini, Michel! C'est de pire en pire, Michel, on voit plus rien. Non, j'ai enlevé l'eau, Michel, arrête! Remets-l'eau! Stop! Y a un truc là! C'est un Z. Pas de politique, bien sûr. Oh, j'ai vu chez OP. Elle a montré une vidéo de Zemmour qui se racle la gorge. C'était incroyable. Zorro est arrivé. Ah oui, celle-là, tu connais? Ah, il cause, puis d'un coup il fait un truc comme ça. Il n'y a pas besoin de l'image. Si je trouve... Ah! Calme-toi la vidéo là. Si j'écris Zemmour, gorge. Il faudrait que je trouve. Je crois que c'est ça. Moi, vous savez, c'est le mot de Richelieu. C'est ça. Trois mots de n'importe qui et je peux le mettre en prison. C'est ce qu'ils font. Moi, vous savez, c'est le mot de Richelieu. Donnez-moi trois mots de n'importe qui et je peux le mettre en prison. C'est ce qu'ils font. Moi, vous savez, c'est le mot de Richelieu. Donnez-moi. C'est vrai qu'il est, il est bien. On dirait le bruit des tons, ouais. Bon, j'ai pas retenu là. Comment on remonte l'eau? Comme ça. Ta 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 ta. C'est super long. Merde! Non! Poète. Tch, 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 tch.
Bonjour, Happy Gum. Désolé pour ce bonjour creepy. Installe-toi. Sachant qu'on approche quand même de la fin de cette session, hein. Je pense que quand on aura fini ces salles-là... Oh, l'évier plein, non. Bonne vaisselle. Je sais pas si c'est la fin de la partie de ces ruines-là, et je pense qu'après on mettra fin à cette session The Witness pour aller faire la DER. Installe-toi. Putain, mais... J'aimerais bien le trouver, mais en version... Parce que là, c'était un short. C'est chiant. Si je mets Zemmour... Hein. Oula, il y a des montages. Vous savez, c'est le mot de Richelieu. Hein. Donne... Hein. Donnez-moi trois mots de lieu, un mot de Richelieu, un donnez-moi lieu, un. Ok. Il reste cette salle qui est bien relou, puis ensuite une autre, mais pas bien longue. Un. Qu'est-ce qu'on rigole. Encore une fois, à cause d'OP Crotte, ça. Hein. À cause ou grâce. Bon, où sont les reflets, là? You see the reflet? You saw? Saucisse? Y'a pas de saut. Merci Cassis Framboise. Heureuse de vous revoir. Des besous à brioche. Plus petit que 3. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vois pas de reflet, moi. Je vois zéro reflet. La baleine a changé de couleur, ouais. T'es passé bronze. Qu'est-ce que c'est que cette douille? Est-ce que tu sais qu'il y a des nouveaux trucs sur FF15? Nope.
Non, non, j'ai pas touché à FF15 depuis le Let's Play YouTube, donc en vérité, à part les premiers DLC qui étaient sortis, je ne sais rien du tout. Attends, j'ai raté une info, là. Pourquoi ils sortent encore du contenu FF15? Vous avez vu des reflets, vous? Parce que... DLC Ignis Prompto. Mais ça, c'est très vieux, ça. Je comprends pas. Salut les trains à vapeur. Tu penses avoir compris, Typhoon? Typhoon! Qu'est-ce que vous me suggérez là? Parce que je vois pas trop. Quête en rapport avec FF13. Bon, après, moi, FF15, vraiment, je n'y ai plus touché. Je pense que peut-être qu'un jour, je prendrai la version royale, je ne sais plus trop quoi, là où il y a tous les DLC dedans. Peut-être qu'un jour. Là, il y a peu de chances que j'y retouche tout de suite. Royal Deluxe, c'est ça, Maxi Best Of. Reflet des allumés. Ah, tu penses... Ah, ils font pas de reflets, eux. Reflet de lumière avec l'eau. Non, mais ça, justement, c'est ce qu'on cherche, parce que autant ceux-là, on a réussi. Là, tu vois, on arrive à avoir la lumière. Où on voit les chemins. Mais là, j'y arrive pas à mettre une lumière sur celui-là. J'arrive pas à trouver un angle où j'ai de la lumière dessus, quoi. Ah, bah si, là. Stop! Stop the count! On l'avait! Oh putain. Ok, on a trouvé. On a trouvé l'angle. L'angle est ici. Maintenant, il faut observer correctement. Alors, le début. Le début est là. Et ça fait un U. Ou alors le début est simplement... Ah oui, non mais en fait c'est ça. Bon, ça fait un U quoi, jusqu'à la sortie du fil. Tu prends le fil et tu fais un U. Pas du tout. J'aurais fait ça. Je vais faire des U partout. Ceci est un U. Ceci est un U. C'est un U! Ah oui, bah tu pouvais faire dans l'autre sens aussi. Bon, très bien. C'est un U. 71 U. Ça fait beaucoup.
Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire dans le chat là, qui est en train de faire 1, 2, 3, 4, 5 pour mettre 71 U. Et qui vient de faire CTRL A, CTRL C pour dire oui, je suis en train de le faire. Et qui a repris ensuite son compte. Je crois que t'as oublié un U. Percé à jour. Où est le réflexe ? Pouet, 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 pouet. Ah ! On a vu un petit peu. On a vu que la fin était en haut. Je crois. Là, elle est en bas, mais... Ok, camembert, puis eau. C'est facile. Camembert, puis eau. Tu vois ? Donc, camembert, puis eau. Easy ! Bon, ça c'est bien ça. Ça marche pas. Camembert. La fin est en haut, mais on dessine des 8, des 7. C'est des camemberts maintenant, ça. Ça, c'est camembert. Camembert. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là, encore ? Pourquoi ça marche pas, ça ? Pouette, pouette. Pourquoi ça marche pas? On avait pas. Je comprends pas. Peut-être que j'ai fait l'inverse. Je suis parti du point d'arrivée. Apparemment, oui.
C'est où la suite? Bah, y a pas franchement d'histoire. Apparemment, il y en a une, hein, mais c'est très cryptique. On a de temps en temps des réflexions philosophiques dans des espèces de magnétos. Y a que ça, mais. Attends, je comprends pas, ça a pas allumé un truc, ça? Je pense qu'on va voir le reflet qui est là. Ouais. Enfin, je sais pas. Rebaisse l'eau. Mais pour le moment, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à juste un enchaînement d'énigmes. Le jeu te guide pas du tout, donc... Faut comprendre par soi-même. Là, on a un bout de chemin. L'évier est vidé. Là, je suis pas sûr de ce que je fais, tu vois, Brita. Parce que j'ai activé celui-là. Et il n'y a pas eu de nouveau fil bleu. Donc bon. Je me dis qu'il faut faire ça là-bas. On a un petit bout de chemin là. Mais je sais pas si on en a ailleurs. Celui-là m'a servi à allumer la lumière pour pouvoir avoir le reflet ici. Ah mais il me manque quand même vachement de... vachement de reflets là. Faut être vif, hein.
Je vois pas la fin. Allez donc au petit coin là. C'est pas à moi de m'adapter à votre vessie, hein. Bon Dieu. Mais, c'est vrai que, après ces énigmes-là, on va sûrement s'arrêter. Qu'on fasse la fête. Ah, c'est désagréable celui-là. Est-ce que, Brita, tu pourrais me dire si je suis censé voir la fin du chemin ? Ne dis rien. Je vois la fin du chemin. Mais le début alors ? Est-ce que le début était visible ? Ou est-ce que je le fais au pif? Si besoin de rien, hein, tu m'appelles. Je sais pas si le début c'est ça. Ah, c'est bon. Et il reste une petite salle, tu m'as dit. Qui rassemble un peu toutes les énigmes, peut-être. Mais ça bloque, c'est bloqué. Donc là, ça monte, ça redescend. Mais en bas. Quelqu'un ici connaît l'eau au litchi. Complètement hors sujet, mais c'est excellent. L'eau au litchi. Ah oui, d'accord. Canette en plastoc et tout. Putain, j'ai jamais goûté ça, non? Moi, j'ai déjà goûté les... le truc à l'aloe vera. Qui est basiquement du jus de raisin. Mais là, il y a les trucs qui bloquent. Qu'est-ce qu'on sait que ça?
C'est pas un truc qu'on met dans les cheveux. Oh, t'en mets partout, là, l'aloe vera. Il y en a dans tout. Dans la bouffe et dans tout ce qui est cosmétique. T'en as dans tout, en fait. C'est pas que pour les cheveux. C'est pour tout. Oh, putain. Finissons cette salle. Ah ouais, ouais, des trucs à l'aloe vera. Il y en a partout. Ah mais d'accord, ils sont pas collés au truc. C'est pas que l'aloe vera a un goût de raisin, c'est juste que la boisson, je trouve que... Je crois qu'il y a beaucoup de jus de raisin dedans. Et du coup, finalement, tu sens surtout ça. Et puis, il y a des espèces de trucs dedans qui flottent. Bon, c'est un peu chelou, hein, je t'avoue. Tout à gauche, tout en haut. Escalier. Et ok. Ça commence dans cette direction-là. Ah, mais tu te mets derrière. C'est pas mauvais, mais tu t'attends à mieux. Ouais, je sais pas à quoi je m'attendais en vérité, moi. La lumière, Aziz. Ah. L'aloe pure a un goût de cactus. Ça goûte quoi le cactus? Ah. Elle goûtait la tomate? Le cactus a le goût d'aloe pur. Merci, Lindorite. Hein. Grâce à vous, nous avons les informations. L'aloe n'est plus chancelière. C'est une des zones les plus reloues. Oh, j'ai bien aimé. Ah mais ça pointe pas au même endroit. Quelle idée. Quelle idée, mais en vrai, c'est la fin de cette session, hein. Ça fait 2 heures. Donc la suite à un autre jour, quand nous ne le savons pas. On aurait pu arrêter la phrase à... Mais ça pointe pas. J'ai failli faire des blagues. Hein. J'ai cherché des blagues parce que y a des gens, ils pointent pas dans la même direction, quoi. Puis finalement, je l'ai pas faite.
Mais j'ai... bref. Des bisous YouTube, à bientôt. Porte-toi bien. Et puis surtout, n'oublie pas...